bonjour Loïc. Bonjour Thibaut. Est-ce que ça va? Bah écoute, pas mal, et toi? En ce dimanche matin à Génération Star Wars. Ouais, un petit peu fatigué de la veille bien sûr, mais et de l'avant-veille pour l'installation du vendredi, mais sinon ça va. Comme nous tous. Je voulais savoir du coup, pour commencer, si tu pouvais nous présenter un petit peu l'histoire, la genèse de l'événement Génération Star Wars. Bien sûr, en fait c'est une... la convention est née en 99. Donc ça fait 17 ans et demi, quelque chose. Puisqu'en fin d'année, c'est des fans qui sont retrouvés un petit peu par hasard, un petit groupe de 4-5 personnes qui ont fait un petit événement pour montrer leur collection. En fait, c'est ça. Et dans une petite salle qu'on a dans l'espace Chambon, donc qui doit faire un 20e de l'espace de la convention d'aujourd'hui, avec 15 tables et 4 ou 5 collections de gens locaux. Et puis ces gens ont accroché entre eux, ils ont fondé une association, et puis voilà, c'est de là que c'est parti. Et que ça a grandi tous les ans pour arriver maintenant à la 19e édition cette année. Ok, et en termes de visiteurs et d'affluence, tu sais combien il y a de gens à peu près aujourd'hui qui se rendent à QC Alors, cette année, parce que c'est un peu compliqué, on a arrêté de compter. D'accord. Mais jusque-là, l'année dernière, on était à 12 500 okay. sur l'ensemble des deux jours. Donc en partant de quelque chose comme 500 la première année, quoi. Oui. Tu vois la progression. Et on a vu quand même une forte progression depuis 3 ans, quoi. On est passé de 5 6 000, d'un coup on a commencé à approcher les 10 000 d'un coup et ça reste. Et nous c'est ce qui nous a obligé à grandir l'année dernière. Donc là, ce qu'on voit derrière tous ces espaces, on avait déjà cette tente-là. Mais maintenant, on exploite tous les extérieurs, on exploite le parc. Et on a un deuxième bâtiment qui est de l'autre côté, en plus de l'espace Chambon. Et c'est parce qu'on avait des choses à montrer. Effectivement, de plus en plus d'exposants, de boutiques qui veulent venir, de plus en plus de conférences, mais aussi parce que ça rentrait plus. Si les visiteurs, dans le bâtiment principal et un petit peu dans l'esplanade devant qu'on voit là, c'était plus possible. Donc... ça nous a donné du boulot en plus, mais ça nous a permis aussi de faire des choses en plus et on a agrandi. Je peux poser une question sur ton t-shirt et sur le cordon, il y a les héritiers de la Force. Ouais. Et je voulais savoir si tu voulais. Alors du coup, est-ce que c'est les membres fondateurs de l'événement dont tu parlais tout à l'heure ou est-ce que c'est une association? C'est l'association organisatrice de la convention. D'accord. Donc c'est une association de fans qui est principalement basée sur Vichy. En tout cas, elle est de QC l'association, mais les membres sont principalement de Vichy, de Clermont, un petit peu de Rouen et des gens autour, même si on en a d'un peu partout en France. Et donc c'est une association de fans de Star Wars dont l'activité principale est d'organiser Génération Star Wars et science-fiction. D'accord, donc c'est purement associatif Génération ouais, Star Wars. Association loi 1901, entrée gratuite, et voilà, après nous on fait vivre l'association et la convention avec des subventions, okay. Avec les rentrées de la tombola, des choses comme ça, et ça nous permet de faire aussi des levées de fonds pour le service pédiatrique de l'hôpital de Vichy et pour l'association Trisomie 21 Loire. Donc on fait des levées de fonds, on a une vente de goodies du coup à l'effigie de la convention, et c'est sympa pour nous aussi, ça nous permet de faire des trucs sympas. On a des ventes aux enchères d'illustrations que les artistes nous ont fait gracieusement. Ouais. Pour ça, on a d'autres trucs, on a des petites ventes aux enchères qui se font entre les exposants au repas du soir. Et du coup, ça fait quelques milliers d'euros, 5 000 je crois l'année dernière, qui avait été au service pédiatrie. Et cette année, probablement autant, voire un peu plus, qui sera divisé entre le service pédiatrie et l'association Trisomie 21. D'accord. Et du coup, ça m'amène à une question autour de ce que tu parlais des associations, etc. Je voulais savoir un peu, selon toi, parce que c'est pas forcément, tu reprends pas forcément l'avis de tout le monde au sein de l'association, mais quelles étaient un peu les valeurs que vous vouliez transmettre avec cet événement autour de Star Wars? Alors, en tant que secrétaire, je suis censé représenter tout le monde. D'accord, autant que... Non, mais oui, effectivement, je peux parler pour moi. Mais alors, l'association et la convention, il y a des choses qui sont très importantes pour nous, c'est le côté familial, convivial. Si tu veux, on est une convention de fans, on n'est pas une convention qui est montée par une boutique, un truc qui est là pour faire du business. On gagne rien si tu vas venir là. On récupère quelques goodies des fois, des pages, des trucs comme ça, mais c'est tout ce qu'on gagne à travailler beaucoup pendant une année. C'est le plaisir de voir les gens, donc cette convivialité, ce côté familial. Donc d'un côté familial, la famille fandom Star Wars, ouais. Puisque toutes les associations et sites principaux français et même d'ailleurs dans l'Europe francophone sont là tous les ans en force. Et aussi familial au sens où des familles viennent, je pense que vous avez dû en voir passer derrière nous, des familles plutôt du coin dans ce cas-là, qui vont venir avec des enfants, qui vont venir voir des costumés avec les enfants qui ont les étoiles dans les yeux et tout. Et c'est ça, si on devait résumer notre action, si on devait résumer ce qu'on veut faire, c'est ça. C'est partager notre passion avec les passionnés d'un côté, mais avec tout le monde aussi, dans un cadre familial, dans une ambiance conviviale, où les gens donnaient aux gens envie de rester et de partager avec nous, et puis se faire de nouveaux amis.
Voilà, si on doit résumer vraiment un truc, c'est ça. Ok. Et une dernière question peut-être pour finir, c'était, alors là on est à la 19e édition, tu disais tout à l'heure que donc les tentes, l'espace dans lequel on est aujourd'hui, ouais, c'est tout nouveau. Ouais. Est-ce que tu peux nous teaser la 20e édition, ou est-ce qu'au moins vous avez des envies, des trucs que vous aimeriez faire, même si ça alors, je sais que ça peut être compliqué. Ouais, l'envie c'est de marquer le coup, hein, ouais. Ça je t'apprends rien, pour la 20e édition. Alors, je pense que ça passera pas par un agrandissement spectaculaire comme si c'est passé l'année dernière, parce que malgré tout, oui, pour ceux qui sont venus, ça fait beaucoup d'espace en plus. Mais par contre, avec des choses en plus, je pense qu'on va... Là, l'idée qu'on a, ce serait d'essayer au moins de rajouter une tente extérieure supplémentaire, assez grande, au moins comme la tente conférence qui est derrière nous, mais pour essayer de faire du décor échelle. D'accord. Donc là, c'est un truc qui marche toujours, on en a un petit peu, mais on a une faute de place, c'est des choses qu'on peut pas forcément avoir beaucoup. Donc là, l'idée, c'est d'être fort là-dessus, et puis de s'appuyer sur les exposants, sur les associations comme la 501, la Rebelle Légion. Tous les ans, maintenant, ils font des trucs un peu spécifiquement pour la convention, quoi, ou qui sortent la première fois pour la convention. Ça, c'est ouf quand tu vois d'où on vient. Et là, on veut se servir de ça et leur donner encore un plus bel écran, et puis ça marche du feu de Dieu, quoi. Les décors, les gens, ils vont se prendre en photo devant, c'est ce qui est le plus visuel. C'est clair. Bah, en tout cas, bon courage pour la suite. Et merci pour toutes ces réponses. Et nous, on sera l'année prochaine, c'est déjà ça. Et ben, merci des compliments et merci d'être venu. Bonjour. My experience of working on Rogue One was, it was like a dream come true for me. I've been a Star Wars fan since I was a kid. So to find myself, kind of 35 years after I saw my first film, being involved in the production was just, I can't even put it into words. It still hasn't really sunk in, it was probably one of the best experiences of my life. You're involved in something that's, it's probably the biggest film franchise ever, bar none. And so you're not really processing anything except making sure you get your lines right and making sure you do a credit to something that means so much to so many people. So the most important thing was not to think too much about everything else and just make sure that I got there and did my job, turn up on time and know my lines. And it was all of the actors, the cast, the crew, everybody involved in the production, I couldn't find the words for it. It was just the best job I ever did. It was great fun, great fun. Since they announced a lot of Star Wars spin-offs, like Rogue One and Han Solo, a joke that I heard a lot is Max Rebo, A Star Wars Story. So I don't know why he's so popular. Keep on putting those information out on the internet and maybe I'll get one. That would be good. Would you be interested? I'd be very interested, yes. Yeah. I mean, it was quite a difficult job to do when I was young and fit. It might be, maybe they'd have a different way of doing it this time, but yeah, it would be good. Probably. I did the Eyes of Nine Numb, yes. And also, there's Ten Numb and Ernie Akbar on the Blu-ray special edition. There were some sequences we shot that I'd forgotten doing. Yeah. And then a fan wrote in from Denmark and said, "Is it you? We hear a name, your name being directed off camera." And I said, "Well, it clearly me. Yes, it was me." And then I remembered, but I worked out where I would put Max's fingers. Okay. Relative to the keyboard, I worked out a kind of sequence. But then when he was shooting, I can't see anything. So it's all dark. I sort of know roughly where the keys are. Okay. And I'm communication with me is via an earphone, because you can't see inside the big Max Rebo costume. So was difficult. It's a different process. I prefer to be part of the main body of any puppet or grease. I prefer that. It's more organic. If you're just animating
an eye blink or a cheek puff. It's less interesting. It's a different kind of process because you're slightly removed. Yeah, okay. You're further away from the actual performance. You're going to be off camera and looking at a monitor and clicking things. It's different than actually being physically in a character and moving from the center. So that's more the puppeteering. Yeah, you're more involved in the character. Yes, so a lot of this work, although it's Max Rebo is a puppet, he's more like, you're more like a character in a suit. Okay. So it's more like my mime training rather than the puppeteering training that I did on Dark Crystal with Jim Henson. I heard about that. Get a shuttle ready. I shall assume full responsibility for losing them and apologize to Lord Vader. Meanwhile, continue to scan the area. Yes, sir. Apology accepted, Captain Nida. Well, I thought I was being very obedient and very good. What can I say? And I apologized and I got killed for it. So obviously I shall never apologize to anybody ever again. I guess so. Because if you do, you're liable to get the chop. He was a captain in the Imperial Navy. Well, I had played quite a number of sort of army or air force officers as an actor. So, you know, the director was charming. It was Irving Kirshner, I'm pretty sure, was Empire Strikes Back. You must look it up, but he was a very nice man. And he didn't have to tell me much. I just, you know, there weren't many lines. I mean, it was something about shoot them down, and then something about a ship that small hasn't got a cloaking device. I think that was about it. And then I must go and apologize. I shall go and apologize to Lord Vader. And that was it. It's a very small part. And then I disappear, and the next thing you see me going, oh. So, I mean, it's very nice that 40 years later people are still remembering what I did. I mean, I find it difficult to remember. I have done other things that I'm... well, let's say larger parts in other films which I am more fond of. Well, yes, I did a David Lean's last movie, A Passage to India. Empires are bad things. Whether they're American or whether they're French or whether they're British, they're bad things. All they seem to do is to think that they can achieve their purposes through sheer force. It's just exactly the same as Star Wars. It's just a pity that the people in charge of these vast armies in America and the UK and France, you know, I mean, I just think that our politicians have gone raving mad, frankly, you know, all of them. So, yes, I do have a history, but it hasn't stopped the wars. Sir, sensors triggered in Hangar 718. We're searching the area. She's just beginning to test her powers. The longer it takes to find her, the more dangerous she becomes. The Force Awakens was a very special film. We had so many strong female characters. Rey, obviously, Captain Phasma, and Carrie Fisher, God rest her soul. And so, I mean, although I had the helmet on and you couldn't see that I was a woman, as a film behind the scenes, to have that, I think, was so special and amazing. And I met, very early on, I met a father with his daughter who was about six, and he told me that she had been playing Star Wars with her brother and his friends, and they were running around the house and you be Darth Vader, you be so and so, and then they said to her, you be Leia, and she said, no, I want to be a stormtrooper. And the boy said, you can't be a stormtrooper, you're a girl. And she said, yes, I can, because Samantha Aline, she's a girl, she's a stormtrooper. And I struggled to hold back the tears, because I was like, that's why it's important, because now there's a whole generation, there's lots of little girls here dressed up as Rey and Leia. There's a whole new generation who know that they can be what they want to be
if they want to be a pilot, they can. If they want to be a stormtrooper, they can. They could be anything. And that carries on, I think, through life in general, not just Star Wars. It's very important. And I think Star Wars is always great to, you know, change people's perceptions, and I think that it's a beautiful thing, and I'm very proud to have done that. With Phasma and Rey and all these other characters, it within the film it's important, but I think for me it was also outside of that, and I think that's what JJ wanted. I mean, I was voiced in the film by Verona Blue from the States, so you do hear the female stormtrooper talking, but I think with me, with my character, well, not, I don't have a character, but it was more important in the grand scheme of things, behind the scenes, for the world, for the Star Wars world. So maybe not as important to the story, but to the franchise, maybe yes. Yeah, and I was wondering if they gave you like the same armor. Exactly the same. The only difference was the cod piece in that area, because obviously anatomically ladies are built differently, so it would rub into my legs. So they had to plane shave off the sides of the plastic, and all the costume guys were joking that they're giving me a Brazilian wax, so that was the story. So that's the only difference. Apart from that, everything's the same. And do you know, is it comfy, the armor? No. Because I heard that it isn't. No, it's not. It's I work trap muscles, like, that's why I've got these. It's not it, but do you know what, if you're on set and you've been there for 12 hours and you're in pain, your shoulders hurt, you're hot, you haven't been to the toilet because you can't, and so you don't drink any water, so you're hot and dehydrated, you just think to yourself, you're a stormtrooper in Star Wars, and then you forget the pain very quickly.